J'aime bien dire que mon travail en tant que stagiaire coordinatrice marketing s'est divisé en plusieurs parties. La première partie étant la communication externe. Que cela soit pour immortaliser un événement ou en promouvoir un avec un cocktail ou un menu spécial, un shooting était généralement organisé. En tant que photographe et vidéaste, j'en ai aussi beaucoup profité pendant ce stage pour organiser des shootings et recréer une base de données avec du nouveau contenu pour l'hôtel. On parlait la dernière fois de shooting pour de la communication externe, parlons maintenant de la communication interne et de ma collaboration rapprochée avec la stagiaire RSE, ou environnement pour ceux qui préfèrent. Ça ne devait pas devenir une priorité dans mes tâches, mais j'aimais tout autant cette partie-là. Ma première collaboratrice était Swell, elle est arrivée 2 mois avant moi et elle avait mis en place ce qu'on appelle le Tuesday Green Day. L'objectif était de partager du contenu RSE tous les mardis à la cafette et sur le groupe Facebook des staffs afin de sensibiliser tout le monde à l'environnement de la manière la plus ludique et fun possible. Et action! C'est bon, quand tu veux. Ben Marina. Tout le monde, c'est où le trip ce soir? Oui, c'est où? C'est là. Paris. On va réchauffer ta soirée. Ouais, tout le monde, c'est où le trip ce soir? Ouais, c'est où? Tout le monde, c'est où le trip ce soir? Oui, c'est où? C'est là. Paris, fais trembler la terre. Avec Nasty et Pokessi, la vie, c'est la vie. Parfois, c'était des interviews avec la Green Team et les Green Ambassadeurs. D'autres fois, c'était des vidéos pour mettre en lumière certains posts en lien avec l'environnement. Et d'autres fois, c'était des tutos, astuces, exemples de ce qu'on pouvait améliorer dans notre quotidien. Tous les mercredis, l'entreprise et l'équipe d'Espace Bleu venaient nettoyer et prendre soin de nos 2 lagunes afin de les garder en bonne santé. Au passage, une activité de bouturage de corail était aussi proposée pour les clients. Ça va? Génial. Ça te va? Non, pas du tout. Quand t'as les oursins en plus, là, t'as toutes les espèces d'oursins, t'as Vigavema, t'as Fela, t'as les Fitbats. Et donc en fait, ça montre que la lagune est en bonne santé. C'est une dinguerie, genre là de me dire que mon travail c'était d'aller dans l'eau pour faire des boutures de coraux et filmer. Genre MDR, j'avais l'impression juste de faire une excursion. En mode enquête secrète, en mode des Green Ambassadeurs en enquête secrète. Un jour je fais poubelle, un jour carton. En fait vous laissez ces poubelles là. Ouais. Et après c'est eux qui gèrent. C'est eux qui gèrent le boulot après. Et vous revenez les chercher? Demain, hein. Un jour avant on dépose. Hein. Est-ce que je suis prête? Ouais. Attends, j'ai pas le début de ma phrase là. Alors, c'est bon là? Mais tu me filmes? Mais t'as pas besoin de me filmer frérot? Non c'est vrai. Mais arrête! Pourquoi as-tu voulu devenir Green Ambassadeur? Oh. Tu veux que je redise la première? Pourquoi as-tu voulu devenir Green Ambassador? Déjà dans mon quotidien, dans ma vie, c'est quelque chose qui est très important. Je trouve que c'est très important pour nous en tant qu'hôtel. De base, quand je suis arrivée ici, je voulais faire un stage de développement durable. Quand j'ai entendu parler des Green Ambassadeurs, c'était trop bien parce que j'avais l'occasion de me former, d'en apprendre plus, à entourer de gens qui sont passionnés et qui sont intéressés par ce sujet. Alors là, deux caméras en même temps, c'est compliqué là. C'est quand tu veux. Ok, voilà. C'est bon? Oui. Grâce au questionnaire que nous avons... voilà. Voilà. Grâce au questionnaire que vous... Ouais. Ah non! Pour pallier à ça, nous allons former nos collaborateurs de... Non? Tu vois? Mais fais-le en... Oui. Mais qu'est-ce que tu fais quand on est là? C'est fini! Il fait la plante! Oh.
Ouais. Est-ce que t'as compris? Est-ce qu'elle a compris d'après vous? Énervée. Je vais me lâcher les cheveux. Maintenant. Énervée. Je suis énervée. Non. Je vais me lâcher les cheveux. Ok, deuxième plan. C'est Sim s'énerver là. Elle, c'est Eva, notre nouvelle stagiaire RSE. C'est un insecticide bio. Principalement des piments. C'est même les petits piments. C'est fort. Mais 4 poignées de piment. Ah ouais. Tu mets dans l'eau avec un peu d'huile. Quand tu remplis un peu dans le verre. Ok. Comme ça, ça va. Un fond de verre. Du vinaigre, de l'huile. Dans un bidon de sel, tu remplis dedans. Tu secoues un peu, tu laisses décompter pendant un mois. Tu mets dedans un pulvérisateur. Ok. Quand tu l'utilises, tu secoues encore. Pour les bestioles, au monde. Ok. Blablabla. Ok. J'ai pas envie. Mais. Attends. Tu dois juste dire bonjour, je m'appelle Sophie. Mais c'est le pire et vous me dites pas que je suis encore à poil. On voit rien. C'est pas sympa, c'est vrai? Mais non. Yorana, je m'appelle Sophie, je travaille au truc et. Je travaille au truc. Mais c'est le pire, le nom de l'hôtel en fait, à dire. Ça y est, là, je suis sûre que c'était la bonne et voilà. Vas-y, repose la question. Mais. Femme du début de carrière. En 1972. Attends, tu vas garder les prises ratées, tu vas les garder, tu vas faire un bêtisier. Genre, c'est bon bêtisier. Non. C'était quoi la question? Ça se passe bien, oui, un séjour magnifique, tout est parfait ici, et voilà. Tu as encore une photo? Non, en fait, mais je pensais que tu avais fini. Mais c'est incroyable. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Yorana. Bon, parlons maintenant des shootings RH. Un de mes plus gros projets était celui initié par Clemente Lopez pour créer des affiches Forbes pour nos staffs, rappelant les critères pour atteindre les 5 étoiles Forbes. On a donc choisi ensemble les titres et phrases d'accroche pour nos affiches et les RH nous ont soutenus en nous aidant sur le choix des staffs à prendre en photo pour bien représenter tous les services. Bonjour, c'est la Corporate Service Week. Là, du coup, il y a un match de volley qui s'organise inter-service. J'ai pris mon appareil photo et on va aller prendre quelques photos. Je te sens très à l'aise. J'adore. Je filme peut-être un petit peu là. Mais. Oh. À la fin de mon stage, j'ai eu l'occasion de participer à un beau projet sur la culture polynésienne. L'idée était de mettre en avant chaque archipel à travers nos staffs. Voici donc quelques extraits. Alors, Yorana, moi c'est Lena Mendiola, je viens d'une petite île de Reivava, des îles des Australes. Kauhanui, je me présente, je suis Piriotua Yvette, je viens des îles Marquises, plus précisément de Nukuhiva. Alors, je m'appelle Hutia Steve, je suis originaire de Raiatea. Ah, en plus, c'est Tu parles quand tu veux. D'accord. Mais de toute façon, tu vas couper tout ça en montage. Hein. Ah, c'est bon. Je vais faire un bêtisier aussi. Je te déteste. Je te dis, Steve, pourquoi j'irai plus à Raiatea qu'aux îles Fidji? Je dirais rien parce que plusieurs personnes ont dit que je vais aller à Raiatea. J'ai dit, n'allez pas là-bas, vous allez vous ennuyer. Oh. Alors, pour Raiatea, qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a quoi d'unique là-bas? Bisous, love.